Pour adapter les histoires d'Axolot en bande dessinée, j'ai traqué les spécimens d'auteurs les plus rares, comme Boulet par exemple, qui a su brillamment retranscrire l'histoire incroyable du Turc mécanique. Ou Marion Montaigne, qui a illustré avec talent le destin hors du commun d'Henrietta Lacks et de ses cellules immortelles. Ou encore Adrien Méniel, qui a vulgarisé avec finesse les phénomènes psychologiques les plus fascinants. Alors si vous voulez découvrir tous les auteurs extraordinaires et toutes les surprises que renferme la BD d'Axolot, je vous donne rendez-vous le 8 octobre. Patoche, tu peux me repasser le ballon, s'il te plaît?